Bitsus avec le bon accent français. Bitsus. Ah ouais. Ok. Iou Katarina Gozu. Gozu, ça veut dire quoi? Ça veut dire maître? C'est, non, ça veut dire maître de tous les maîtres, non? C'est genre le big boss, Gozu. C'est Katawina? Ah ouais? Bon, je ne check absolument pas les OPGG. Maître ou expert en coréen, ouais, c'est ce que je pensais. Après, il joue Electrocuting Knight, hein, et sans flash. Ça va partir sur une punition d'entrée de jeu. Gonking Angle. Nice. Ok, il me lâche pas la grappe, stylé. On a toujours pas l'info sur les vices. Nice, on a l'info. Comment il a su? Nice, il le loupe. On va le forcer à rester sous tour et à décaler le scuttle top. Là, il est mort. Excellent. Et là on va aider à récupérer le scuttle. Et comme il y avait une énorme wave au mid, mid diff. Quoi? Là il m'aide à prendre la pressure. Comme ça, on peut secure scuttle. Mid diff. Juste mid diff en fait. Bienvenue dans ma mid lane. Mid diff. Faut que j'arpe push par contre. Faut que je respecte la dague à tout prix et que je repush. Ok, ouais. Il va redush. Non, c'est bon. C'est insane ce qu'il est en train de faire. Il lui cancel back, du coup il pourra pas taper sur la wave. C'est insane. C'est insane, vraiment il a hard carry le mid avec ça. Je suis extrêmement sérieux. Et la wave reset, ouais, je suis vraiment trop bien dans la game là.
On va prendre les bottes pour les décalmes. Trop important d'avoir la prio et de pouvoir décaler à temps. La kata qui se mange déjà 20 CS. Après c'est dommage que sur la jungle diff il ait donné le red buff à la Kai'Sa du coup. Enfin ou qu'il ait donné un kill, c'était pas nécessaire en vrai. Avec le lead qu'il avait il pouvait juste la jouer safe. Moi ce qui me casse plus les couilles c'est que il ait piqué Irelia après la Queen alors qu'il savait qu'on avait le counter pick. Il aurait pu piquer un match control et détruire la Queen. Nice, il l'a loupé. Tu peux pas m'enlever des HP en route. Il est foutu. Mec, je joue trop bien. C'est grave. Mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je joue trop bien. Enfin. No troll, que ça soit en wave control, que ça soit en prio, en macro. Ok, bon, après, là, ils se sont démontés, mais c'est une autre histoire. Ça, c'est leur problème. Alors moi, je gagne trop à faire ça. Vraiment, je gagne beaucoup trop. C'est évident qu'ils vont venir après le Derek au mine, donc je suis obligé de respecter. Potentiellement le cheat board. Putain, ils l'ont tué? Ah non, elle est morte. Ça devient tendu là, je t'avoue. Et là maintenant faut push ça et essayer de décaler. En vrai Katarina pour décaler c'est juste trop fort en fait. Il est en train d'ignorer son fort mais en train de perdre ma déca donc ça c'est son choix et si ça fonctionne c'est pas ma faute tu vois. Genre moi je fais mon taf en soi. Ok, il peut avoir un gang de Diana. Je lui mets 40 CS quand même. Faut pas que je me colle trop au mur, ouais, comme ça par exemple. Ok. Flash de Diana en moins. Excellent, j'ai stacké la wave sous ma tour. Nickel. C'était évident, putain. Attends, mais c'est win! Non, mais mec, voilà, game est fini, je pense.
Oh là, il est complètement fini. Farming. Je suis envahi par l'âme de Gumayusi. C'est un fait. Bah, c'est un fait, en fait. Je suis possédé. Je vous jure que je suis possédé. Bon, 3000, ça fait beaucoup, quand même. Je pensais qu'il y avait que la Diana, mais elle a bien joué. Qu'est-ce que c'est fort, Bande, quand même. Bon, j'ai disrespect, c'est my bad. Hop, hop, ça va, good. Hop, le karma. C'est pas du karma, je joue quand même bien tout le reste de la game, tu vois. Bon, là c'était un misplay parce que j'avais pas de sun, j'aurais pas dû rester là. Mais... Non, les facs sont toujours là. Je joue quand même extrêmement... Ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a un shutdown... Ah, mais après, le shutdown est sur board. Ah, mais non, en vrai, c'est génial, du coup. Et je perds pas de wave. Je ne perds pas de wave. Quasiment. J'ai perdu 2 CS, mais un seul 16 XP. Pour 3 ultis. Donc ça veut dire qu'en bot ils peuvent pas fight normalement. Ils ont pas les ultis au bot, hein. Ils peuvent pas fight. Je ne vois pas comment ils gagnent. Hein. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Voilà, la Diana meurt. Ouais. Et du coup ils partagent la prio bot. Dommage. Non mais je vous jure que la kata est doomed, hein. 70 CS, niveau 8, je lui mets 2 levels déjà. Elle ne peut pas comeback. Trop content d'avoir bien joué ma Lina, ouais. On va aller faire scuttle pour empêcher la Diana de le faire. Voilà, Diana mid. Diana qui est en tilt. Hein. Okay. C'est pas grave, vraiment. Il se débrouille bien au top, donc c'est fine. Je suis à 142 CS. La vitesse à laquelle ça proc électrocute, c'est chiant quand même. Attends, là. Non, je l'avais en plus, je l'avais sécure la condamne. Dommage. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, là ça commence à jouer extrêmement mal là, par contre. Là, ça commence à jouer extrêmement mal. Faut pas que je me fasse happer par le... Par mes teammates, en fait. Par le rythme de mes teammates. Faut que je continue de respecter mon plan de jeu, mon playstyle. Ah, c'est fini. Je ne vois pas comment la game est winnable. Pour eux. Ah, c'est fini. Hop. On va directement faire
Une Négatron. Alors, en temps normal, j'aurais pas fait Négatron, mais là, j'ai un bac pile 900 gold. J'ai un bac pile 900 gold. Et le mid et jungle CAP. Il l'a loupé sur ses golems, ça m'a mis. La game est juste astrofine. Ok, nos flash. Ok, ils sont tous bot side, la queen est morte. Ils sont absolument tous bot side et la queen est morte. Drake est dans 2.40. J'ai le temps. On reset après ça, trop dangereux. C'est excellent pour nous, elle a pas de flash là. Ouf, ah oui. Hop. Cette fois on fait ça. Hop. Mec, je mets le double DC single Akata et deux levels. J'ai donné toute la prio early à mon jungler. On a eu double scuttle. On peut vraiment pas faire plus. Bon après là ça commence à faire beaucoup de ressources pour tuer le Phelios. Come on! Toujours insta condamne. Les Diana, dès que tu les vois, casse le Q, insta condamne. Parce que le E est... Si elle pense être en range de Q, elle est en range de E. Et comme tu peux cast le E dans Q, même si tu sors de range, même si tu flash out, le E passe quand même. Donc toujours condamne. Parce qu'ils peuvent pas cancel leur E une fois qu'il est pré-cast. Maintenant faut de la Diana. C'est super bien bordé. Toute la game on a les infos. Les ressources que j'ai en solo encore, c'est stupide. Qu'est-ce le red buff? On a counter deux camps, pris solo gold de la T2. Non mais mec, on est énorme. On va aller solo Drake avant back. Je pense qu'ils vont FF avant. Ils FF pas là? Mec, depuis qu'il y a les joueurs Ward en Europe, toutes les games, c'est des Astro Tryhard. C'est impressionnant. Juste un peu de mana pour avoir de quoi faire le Q. Thanks, Eastwood, pour le gift à Minatos. Ils ont Nash, c'est ok.
Je pense qu'il faut give, c'est ok, ouais, clairement on give. Je pense qu'on give, hein. Je pense qu'on give. Je pense qu'on va gentiment give. Ils ont l'info? Comment ils ont pu avoir l'info? Ça met bien ça. Oh! 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 Elle a si bien joué la Diana! Je suis choqué. Bon, il y a un peu de manque de respect, mais c'est fine. En fait, vous comprenez pas. Je n'ai pas besoin d'avoir de KDA avec l'impact que j'ai sur la map, en fait. Je n'ai juste pas besoin. La map s'est ouverte d'elle-même parce que j'ai cancel Kata. À partir du moment où Kata est cancel en early, elle ne peut plus jouer la game. C'est fini. J'ai déjà fait mon taf. Je n'ai pas besoin de faire plus. Le seul taf que t'as quand t'es contre Kata, c'est de ne pas int et de l'empêcher d'avoir des rotates intéressantes. Je n'ai pas int. J'ai donné la prix à mon jungler pour double scuttle et je lui ai empêché d'avoir des rotates intéressantes. A chaque fois qu'elle faisait une rotate, elle perdait 2 à 3 wave en mid lane. Donc maintenant, elle a 2 levels de retard et 120 CS de retard. Et maintenant, on va jouer bot side. Après, Irelia, c'est faker, mais c'est fine. Ah, la game est finie. Partait du principe aussi que mon Aphelios était extrêmement fine. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est 10 CS par minute avant 3 minutes avec Vayne. Ma team a beau être feed et avoir chopé plein de kills, je suis le plus haut level avec le plus de stuff. Non, je pense qu'Aphelios a plus de gold. Mais quand même. Bro, tu rien pour ces services d'autofill. Yo guys, moins 3 angle. Anyone?